Oui, parce que moi je suis lecteur. C'est-à-dire que je m'installe dans des endroits dans lesquels il y a du monde, des terrasses de restaurants, de cafés, des places publiques, des appartements, des églises. Là où il y a du monde. Et puis je lis. Ce qui est important, c'est que chacun reparte avec quelques mots. Parce que je sais qu'on n'a pas toujours le temps de s'occuper des mots. Dans notre époque, dans le numérique, on réduit, on compresse, on délimite, on fait des textos, des mails, des SMS, ça va très vite tout ça. Les mots, c'est trop lent, c'est trop épais, il y a trop de matière. Il fallait bien que quelqu'un s'en occupe. Moi, mon boulot, c'est de m'occuper des mots. Et moi, mon boulot, c'est d'être là et m'occuper de lui. Je ne peux pas rester seul, je ne suis pas autonome. J'ai tendance à déborder. Je suis... Inhabituel. Quelquefois, je partais en virée dans les calanques. Sornio, Morjou, Sugiton, Anvaux, des heures de marche, sac à dos. Je suais, je soufflais, je rentrais tard. J'avais marché d'une calanque à l'autre, puis j'avais nagé, plongé, escaladé, concentré sur mes jambes, mes muscles et le souffle. Aspirer, expirer, avancer une jambe, un bras, suer toutes les impuretés, boire, suer encore. Une réoxygénation. La totale. Je pouvais revenir de chez les vivants, cela a apaisé mes doutes, mes craintes, mes angoisses. Leur beauté me réconciliait avec le monde. Alors ça, c'est une discussion qui avait eu lieu en fait juste à côté là-bas. Enfin, il y avait une tonnelle avec de la vigne vierge. C'est une tonnelle sous laquelle on était ramené aux choses les plus élémentaires de la vie. C'est le mois de mai, il faisait beau. Le soleil du mois de mai, c'est le soleil qui caresse, hein. C'est pas le soleil qui assomme, qui envoie à la sieste. Alors ça était là, comme ça, et ça donnait juste envie de... rien faire. Et alors c'est là que Giono et Iso se réunissaient et parlaient. Je m'imaginais tout ça, et puis d'un coup, autour de moi, il n'y a plus eu ni rossignol, ni rainette, ni lune, ni vent, ni nuit. Il n'y a plus eu. Elle était comme une taupinée et on entendait remuer la grande taupe. On entendait le sourd travail de dessous terre et le geste qui gratte et la poitrine qui s'emplit d'odeur de terre et le mufle qui fouille dans la boue des profondeurs. Je monte. J'avais envie de goûter l'air. Il avait un goût de papillon. C'était l'époque. Je n'y pensais pas, mais avec un peu plus de réflexion, j'aurais su. Ces errants, ces hommes chèvres qui vont tout nerveux d'une ville à l'autre, ils ont la même loi que les papillons, les fourmis, les chenilles. Un ordre part du fond de je ne sais pas quoi, par derrière les étoiles, et les voilà en marche. Les papillons, les fourmis, les chenilles, les hommes mélangés. J'avais quitté l'homme. Ici,
C'était le plein voyage des papillons. Il y a eu un petit bruit de tambour sur les vitres de la fenêtre. Comme une main qui tambourinait, mais une main dans un grain. Je me dis, c'est un signal. Non, c'était un papillon. Large comme mes deux mains, il était plaqué contre, et il battait des ailes, et il essayait de griffer la vitre, et il pompait sur la vitre tout le suc de la lumière. Il en était saoul. Un grand corps tout roux et velu, et des onglons, et ce grand suçoir pointu comme une aiguille qu'a vous planté dans le sang. Il vous a sécheré comme une croc. Alors je me suis dit tout ça. Ils t'ont suivi. Ils sont là, contre tes murs. Tu vas voir ça toute ta vie. J'ai pris le revolver à travers le tiroir du comptoir et j'ai tiré sur le papillon à travers la vitre. Olivier, les gens ne te croient pas. Alors, on va se mettre bien d'accord, tous ensemble. Je ne mens pas. Je raconte des histoires. Ça n'a rien à voir. Si on ne croit pas, donc à vérifier. Geoffroy, ça existe. Geoffroy, c'est un texte de Giono. Scénarisé par Pagnol, joué au cinéma. Geoffroy, c'est l'histoire d'un vieux paysan qui s'appelle Geoffroy. Ces arbres, je les ai portés de Manosque jusqu'ici sur mon dos. J'ai tout fait tout seul. J'ai creusé les trous, j'ai charrié le fumier. Je me suis levé la nuit pour allumer la paille mouillée pour pas que ça gèle. J'ai fait plus que 10 fois le remède à la nicotine et ça coûtait 5 francs le bidon. Et quand je l'ai taillé, monsieur le curé, avant de couper une branche, j'ai calculé des fois pendant plus d'une heure et je me disais c'est malheureux de couper des branches à un arbre pour qu'il rapporte 6 francs de plus. Et à la fin, quand j'en coupais une, c'était comme si je me coupais un bras. Les arbres ne sont tout de même pas des personnes. Un arbre, ce n'est pas une personne. Et depuis quand? Et c'est ça qu'on vous apprend dans vos écoles? Allez, allez, mon pauvre instituteur, on voit bien que vous venez de la ville avec le col et les manchettes. On voit bien que jamais les arbres ne vous ont parlé. C'est vrai que peut-être vous n'êtes pas assez intéressant pour ça. Écoutez, monsieur le curé, moi je dis que ces arbres ne font plus de fruits, c'est vrai. Il y a même un abricotier qui commence à devenir gaga et qui pousse des branches en tire-bouchon. Mais quand même, ce sont des arbres qui ont encore de la santé. Et puis il y en a que si on les laisse tranquilles, ils peuvent vivre encore 15 ans. Eh ben, il y a de l'espoir. Qu'est-ce que tu veux dire? Et moi? Qu'est-ce que je vais manger pendant ce temps-là? Je n'ai plus d'argent, moi. Je t'ai payé 12 000 francs, 1 200 francs notaire, et j'ai acheté 800 francs de semences. Il a fallu que j'emprunte 600 francs au Crédit Agricole. Alors, si ce terrain ne me rapporte rien, c'est peut-être toi qui vas payer mes dettes, et c'est toi qui vas me nourrir. Ah ça non, il compte pas, ce ne sera pas moi. Et alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Toi, tu parles toujours de toi. Tout ce que je peux te dire, c'est que tu ne tueras pas mes arbres parce que je te tuerai avant. Tu t'imagines tout voir, toi, avec tes pauvres yeux. Tu vois le vent, toi qui es fort. Tu es seulement pas capable de regarder un arbre et de voir autre chose qu'un arbre. Tu crois, toi, que les arbres, c'est tout droit planté dans la terre, avec des feuilles, et que ça reste là, comme ça. Offre-moi. Si c'était ça, ça serait facile. Tu vois rien là, sous la chaise. Rien que de l'air. Tu crois que c'est vide, l'air? On dirait que la descente de lit bouge. Sous la table, il y en a un. Il y a sous la table un serpent épais comme le pouce et qui dort plié en S. C'est la longe du fouet. C'est un serpent. C'est la longe du fouet. Dehors, le poids du vent écrase le chêne. Des branches mortes tombent dans l'abreuvoir. La cheminée beugle. Les cendres se soulèvent comme la poussière sous le poids des moutons. En 2 sauts, Gondrand est à la porte. Il l'ouvre de toutes ses forces, tant que la poignée du verrou s'enfonce dans le mur. Et il gueule vers l'écurie des chèvres, où Marguerite départage les ramées d'Olivier. Grite, grite! C'est pas encore fini en bas, non pas de Dieu! C'est du polar. Puis attendez la réponse de Pagnol. Ouais, c'est pas mal. Alors je me regarde, il dit pas mal. Et là, ils sont rendus à 100 000. Et vas-y, on ressort des canons, on ressort des bouteilles pour calmer tout ça. Et puis finalement, Giono s'est levé, il nous a regardés, tous. Il nous a dit, je vais écrire la suite. Là, maintenant, en direct, devant vous. Voyez, la patience était capable de faire ça. Moi, je me tais à tout jamais. Et je lui ai dit, je vais niquer ta mère.
commença à écrire avec des lettres très pleines, très déliées, très larges. Puis un moment où ses yeux se sont fermés, à partir du moment où ses yeux se sont fermés, les mots, les lettres ont commencé à se faire plus petites. Et puis, il a souri. Et là, c'était encore plus petit, les mots se serraient les uns contre les autres. Et puis, il a souri encore plus. Une espèce de sourire de contentement. Et là, les mots se compressaient les uns contre les autres. Et il y avait comme une espèce de, je ne sais pas, de bonheur, de plaisir. Et là, il a commencé à respirer plus fort tout en écrivant comme ça. Et il écrivait, les mots de plus en plus serrés. Puis il a ouvert sa chemise, il a passé les mains à l'intérieur. Et là, une espèce de plaisir quasi extatique, à la limite de l'orgasme, qui est monté pendant qu'il écrivait. Pagnol, après ce texte, a capitulé. Fini, plus de controverses. Il s'est tué à tout jamais. Il a théorisé aussi en fin de vie. Il s'est demandé pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on écrivait? À quoi est-ce que ça servait? La comédie me purge pendant 2 heures de mon triste complexe d'infériorité et le remplace par un complexe de supériorité. L'auteur a fait vivre devant moi des personnages moins intelligents que moi, et il les tourne en ridicule à mon profit, même et surtout si leur situation sociale est supérieure à la mienne. Je les vois dupes de leurs propres défauts, défauts qui, à mon avis, ne sont pas les miens. Et cette supériorité passagère agit sur moi comme un tonique. Donc tu veux dire que quand tu lis et que tout le monde pense que t'es fou, en fait, tu... Quoi? Je suis pas fou. Non mais attendez Myriam, je suis pas fou. Je suis pas fou. C'est pas n'importe quoi qui sort de ma bouche quand même. C'est des mots. Des mots, bon sang, des mots. De la mémoire d'histoire, de la chair d'humain, de la poussière de terre. Des mots. Et les mots meurent s'ils ne sont pas transportés par des voix.